Bon, voilà, je vais essayer de vous faire visiter ma ruche que j'ai. Oh, les 5 que j'ai mis en ruche samedi passé, ça fait une semaine maintenant. Et là, bon, j'ai mis une hausse. Hein. C'est celle-ci. J'ai rajouté une hausse parce que vraiment ça travaillait fort. Si vous regardez devant, vous voyez, ça travaille très très fort. Vraiment beaucoup de monde. Et puis ben, on va rajouter une hausse certainement, puis on va tirer deux cadres. Alors je vais. Ah, mais c'est pas vrai! Ah voilà, ok, on est de nouveau en route cette fois. J'ai un enfumoir fonctionnel. Voilà, première chose, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la hausse ici. Enfumer pour ouvrir. Donc, puis, on constate que c'est construit ici et là. Et puis que c'est déjà passablement bien rempli de miel, vous voyez. Déjà plein. L'abeille travaille, sa fère. Donc on va aujourd'hui rajouter une hausse, même si c'est pas encore vraiment perculé. Mais le fait qu'elle mette de la cire par-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer cette hausse et la poser ici, sur le couvercle à l'envers. Donc je viens ici ouvrir, j'enfume un petit coup, avertir que j'arrive. Simplement, je retire la hausse. Pour la déposer là à côté. Voilà. Je vais poser sur son couvercle ici. Après, les abeilles. Ici, on va enfumer légèrement pour les faire rentrer. Alors, beaucoup s'envolent. La grille à rennes, donc, qui empêche. Là, voilà, je vais constater que de la ruche. On a les abeilles qui vivent, elles ont tiré les cellules déjà. C'est difficile de leur serrer directement comme ça. Sortir délicatement. Voilà un petit peu. Je suis prêt. Ah, je vais vous montrer ce qui se passe. On constate ici du pollen, du miel dans le coin. Voilà un peu moins. Ici. Donc il y a effectivement de la pente produit ici. Donc je vais lui tirer deux cadres pour qu'elle continue à travailler. Que la reine ne figure pas.